Maureen Heights, dans les Laurentides canadiennes. Une localité paisible jusqu'au 30 septembre 1994. Des ruines fumantes d'un chalet incendié, on retire 5 victimes carbonisées après avoir été poignardées. Toutes membres d'une secte templière à peu près inconnue jusqu'alors, l'OTS, l'Ordre du Temple solaire. 5 jours plus tard, en Suisse, à Chéry, dans le canton de Fribourg, une ferme est incendiée dans la nuit du 5 octobre 1994. On retrouve dans les décombres les corps carbonisés de 23 personnes, droguées et exécutées par arme à feu. Toutes membres de l'OTS. La même nuit, toujours en Suisse, mais cette fois dans le Valais, à Salvan, 3 maisons sont incendiées. On y découvre les corps carbonisés de 25 personnes, droguées, empoisonnées ou étranglées. Toutes membres de l'OTS. Un an plus tard, on retrouve dans une clairière isolée du Vercors les cadavres carbonisés de 16 personnes, droguées, puis suicidées ou assassinées. Toutes membres de l'OTS. Après un an d'accalmie, c'est à nouveau au Canada, à Saint-Casimir, dans la région de Montréal, qu'on retire des ruines d'une maison incendiée les corps carbonisés de 5 personnes qui se sont donné la mort après avoir avalé des barbituriques. Toutes membres de l'OTS. Au total, en moins de 3 ans, l'Ordre du Temple solaire aura donc causé directement la mort de 74 personnes. Pourtant, la justice canadienne et la justice suisse renonceront rapidement à toute poursuite, considérant l'action de la justice éteinte en raison de la mort probable des gourous de la secte au cours des différents massacres. Seule la justice française, au terme d'une longue enquête de police et d'une interminable instruction, retiendra la responsabilité d'un des inspirateurs de l'OTS, le chef d'orchestre Michel Tabachnik. Il sera jugé non pas aux assises, mais en correctionnel et simplement pour association de malfaiteurs. Alors, en regardant les décombres de cette catastrophe judiciaire annoncée, on peut légitimement s'interroger. 74 morts, pour la plupart assassinés, et pas de coupables. Comment la police et la justice française, réputées comme parmi les meilleures du monde, ont-elles pu en arriver là ? C'est ainsi que commencent toutes les légendes. Et je vous dirai tout simplement, c'est une très vieille histoire. Une histoire qui remonte à l'aube des temps. Joe Di Mambro, grand maître de l'OTS, un homme qui aurait voulu donner l'image d'un messager de l'au-delà, venu d'une lointaine planète, mais dont la réalité était singulièrement moins brillante. Joe Di Mambro, petit bijoutier du midi de la France, convaincu d'être promis à un destin exceptionnel, il se crut au-dessus des lois et commit quelques escroqueries qui lui valurent d'être condamné à 6 mois de prison. Il choisit alors de se tourner vers l'ésotérisme, fréquentant simultanément les francs-maçons, les bouddhistes et les rosicruciens de la morgue. La morgue, ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, un mouvement de recherche spirituelle aux racines très anciennes, dont le puissant réseau d'influence est impliqué sous couvert d'activités philanthropiques dans les affaires et la politique de plusieurs pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Monsieur Di Mambro se référait régulièrement au Rose-Croix. Alors évidemment, dans le grand public, quand on entend Rose-Croix, ça donne lieu à des confusions, et c'est ce qui s'est produit donc à un moment donné entre la morgue et l'OTS. Et il est vrai aussi, on ne l'a jamais caché, que Di Mambro avait été membre de la morgue quelques années, dans les années 70, avant, d'après ce que je sais, d'en être radié. Bon, alors qu'est-ce que vous voulez, il était également franc-maçon, il était bouddhiste, il était un petit peu partout. 30 ans après, il fait un mouvement, il pioche un petit peu dans l'héritage de toutes les traditions auxquelles il a appartenu, en dévoyant évidemment cet héritage à la sauce gourou, et puis ça donne les drames que tout le monde a pu découvrir. Pourtant, l'ombre de la morgue,
et surtout celle de son fondateur, l'étrange ésotériste Raymond Bernard, pèseront plus tard extrêmement lourd sur la tragédie de l'OTS. Dans le même temps, Dimambro fréquente assidûment certains membres du SAC, le service d'action civique de Charles Pasqua. Le SAC, lui aussi étroitement mêlé plus tard aux dérives de l'OTS. Mais l'idée de Dimambro, le grand œuvre de sa vie, c'est de fonder son propre mouvement ésotérique. C'est sa rencontre avec le médecin homéopathe belge Luc Jouret qui va lui permettre d'arriver à ses fins. Pourtant, rien ne semblait prédisposer les deux hommes à se rencontrer. Luc Jouret, un personnage étrange au passé compliqué. Ancien militant maoïste, il a aussi flirté avec des mouvements d'extrême droite, mais surtout, il a un charisme indiscutable. J'ai entendu les propos du docteur Jouret et j'ai trouvé ça fascinant. Il avait une façon de présenter les choses qui allumait les gens, et moi en particulier, qui est un cérébral, qui cherchait à connaître des choses, et lui donnait comme la possibilité d'éventuellement de nous révéler des choses. Parce qu'il en disait juste assez pour que ça soit intéressant d'y retourner pour en savoir plus. D'évidence, Jouret a tout ce que n'a pas Dimambro. Un physique, du charisme et un vrai talent d'orateur. L'amour implique qu'on ne compte pas, tout en étant sûr qu'on manquera de rien. En fait, les deux hommes se complètent à merveille. Dimambro charge alors Jouret de mettre la main sur un mouvement templier important, l'ORT, l'Ordre Rénové du Temple. Et après la mort de son grand maître, l'ORT devient aussitôt sous l'impulsion de Jouret, l'OTS, l'Ordre du Temple Solaire. Dans le même temps, Dimambro s'est lié d'amitié avec celui qui sera le troisième homme de l'OTS, le chef d'orchestre Michel Tabachnik. Malgré ses succès musicaux, Tabachnik est vaniteux et terriblement sensible aux flatteries de Dimambro. Cette fois, Dimambro semble bien avoir réussi son coup. Dans la structure de l'OTS, il apporte son sens de l'organisation, Jouret la caution scientifique et médicale, Tabachnik le prestige artistique, mais aussi l'imaginaire ésotérique dont il a fait depuis des années son jardin secret. Imaginaire soigneusement mis en forme par Tabachnik dans les archers, un ensemble de textes sur lesquels s'est fondé l'essentiel de l'enseignement mystique de l'OTS. Des textes qui lui seront d'ailleurs cruellement reprochés lors de son procès. Ces textes, je les ai rédigés à la mort de mon père. Mon père est mort en 1974. Et puis j'ai hérité d'une immense bibliothèque. Mon père était très mystique. Juif très mystique. Converti au christianisme. Et il avait toute une bibliothèque sur le christianisme et le judaïsme. Moi, je n'étais pas tellement du tout versé là-dedans. Et j'ai commencé à feuilleter. Et ça m'a passionné. Puis un jour, c'est Dimambro à qui je parle un peu de ces choses. Et je lui ai dit, tu sais, j'avais pris des notes sur des livres que j'ai lus, des textes et tout ça. Puis il m'a dit, mais tu les as ces notes? J'ai dit, oui, mais c'est illisible. C'est des... Il m'a dit, montre-moi. Puis je lui ai dit les choses. Il m'a dit, mais c'est... ça n'a rien à faire avec tout ce dont on parle ici, mais c'est fascinant, tu devrais essayer de les mettre en ordre et qu'on les distribuerait aux membres. Alors là, je veux bien admettre qu'il y a un petit peu d'orgueil, je veux bien admettre que ça m'a flatté, je veux bien admettre que j'étais content. Mais je l'ai fait, bien sûr. En fait, Tabachnik se garde bien d'évoquer les emprunts qui émaillent les archers. Des auteurs reconnus dans la nébuleuse ésotérique française, comme Raymond Bernard, l'ancien grand maître de la morgue, ou surtout... comme le mystérieux occultiste Jacques Breyer, ont très évidemment inspiré certaines idées fondamentales de l'OTS. Venu à plusieurs reprises donner des conférences à l'OTS, Jacques Breyer a-t-il eu une influence réelle sur les dérives mortelles de la secte? Rien ne permet de l'affirmer. Bien au contraire, Breyer semble avoir exprimé peu de temps avant sa mort un jugement sévère sur les gourous du Temple solaire. Il y a eu ce qu'on pourrait appeler les inventions de tout acabit pour dénaturer une chose simple d'un travail sérieux et que vous ne pouvez ni vous ni moi empêcher qui éclose si parmi eux il y a des fous, des hystériques, des gens sincères mais sans défense et quelques
quelques fauves et qui, pour se faire une gloire, vont plonger dans des escroqueries mentales qui vont devenir des pompes à fric sur lesquelles ensuite on ne va pas être d'accord et qui va finir par des règlements de compte internes. Une pompe à fric, c'est bien ce qu'est devenu l'OTS dans les années 80. Séduit par Jouret et Tabachnik, maintenu sous pression par Dimambro, les adeptes affluent. Tous donnent une grande partie de leur salaire lorsqu'ils ont un emploi ou travaillent d'arrache-pied pour la secte dans une des fermes biologiques montées par Dimambro au Canada. Dans le même temps, Dimambro a su séduire des adeptes importants comme Albert Giacobino, investisseur influent à Monaco et à Genève, ou Camille Pillet, directeur des ventes des montres Piaget. Et de l'argent, eux en ont beaucoup. Vous me parlez d'argent. Dimambro, avec moi, il avait une très bonne explication. Il était entretenu par le responsable des montres Piaget. Et ce monsieur Pillet, il m'a dit à moi, mais j'entretiens Dimambro. J'ai dit, bon, ben, allez voir à toi. Si tu veux l'entretenir. Il était richissime, il avait des appartements à Monte Carlo, à Genève, partout, il jonglait avec l'argent. Il me dit, tu sais, moi j'adore Dimambro, je l'entretiens. Moi, j'ai pas vu que Dimambro était un escroc. Quant aux adeptes, fanatisés, ils suivent de plus en plus aveuglément l'enseignement des gourous. Dans des décors encombrés de miroirs de velours rouge et de statuettes dorées, ils s'extasient devant les apparitions de maîtres de l'au-delà, réalisées par Dimambro avec des trucages parfois enfantins. Si on prend cette épée, de ce côté-ci qui a une apparence complètement ordinaire, on retourne l'épée, on se rend compte qu'au bout, il y a une petite lumière rouge. Vous avez un fil qui court tout le long de l'épée. Vous arrivez à un interrupteur et une pile. Les tricheries, on me l'aurait dit. J'aurais foutu une bombe. Moi, j'aurais foutu une bombe là-dedans. J'ai été un peu naïf d'y croire, peut-être. Mais j'ai pas été le seul à être naïf. Parce que j'y croyais, parce que j'ai fonctionné avec mon cœur, moi. Je suis un artiste qui a fonctionné avec mon cœur. J'ai pas calculé. C'est vrai, c'est pas vrai. En tout cas, pour les gourous, c'est la belle vie. Relooké de frais, affublé d'une perruque et d'une moustache avantageuse, Dimambro ne se refuse rien. Voyage en première classe autour du monde, voiture haut de gamme, rien n'est trop beau pour Dimambro, pour ses favoris du moment, par exemple Tabachnik, et surtout pour ses conquêtes féminines. Jolie Mambro avait une maîtresse, Dominique Bellaton, et cette personne est tombée enceinte. Et comment dire à la communauté qu'elle allait avoir un enfant? Et Jolie Mambro a trouvé un subterfuge, la théogamie. Il a réuni les adeptes en leur disant que sous peu, Dominique Bellaton serait porteuse d'un enfant qui serait le nouveau Christ. Hein. Et pour ce faire, au cours d'une cérémonie, au cœur du sanctuaire, il a apposé une épée sur la gorge de Dominique Bellaton. À ce moment-là, il y a eu un éclair, n'est-ce pas? Tout le monde a été stupéfait. Et il a dit, d'ici quelques temps, cette femme aura un enfant, ça sera le nouveau Christ, etc. Pas de chance. 9 mois plus tard, l'enfant cosmique se révèle être une petite fille. Jodie Mambro décide de l'appeler Emmanuel, un prénom androgyne, et de l'élever comme un garçon. L'enfant devra toujours porter un casque pour le protéger des impuretés de l'existence et sera confié à des adeptes jugés moralement sûrs pour son éducation. Et c'est seulement des années plus tard que sera révélée la supercherie de la fécondation cosmique. L'épée en question, on l'a retrouvée sous un lit, je crois, avec un petit système pour déclencher un éclair. Et tout est parti de là, donc la suspicion, voilà. Et puis, c'est vrai que les gens commençaient au sein de l'ordre à se demander où allait l'argent qu'ils donnaient. Et tout a commencé comme ça. Si les orages semblaient s'accumuler en Europe sur la tête de Dimambro, pour Luc Jouret, au contraire, le ciel canadien paraissait limpide. J'ai le plaisir d'accueillir pour vous quelqu'un qui a bien voulu interrompre son périple autour du monde pour s'arrêter à Montréal, le docteur Luc Jouret. Dans sa mission de recruteur, Jouret multipliait en effet interviews télévisées et conférences, aussi bien en Europe qu'au Canada.
Par l'intermédiaire de l'adepte de l'OTS Jean-Pierre Vinet, fonctionnaire à Hydro-Québec, Jouret réussit à pénétrer la plus grosse entreprise d'État canadienne, celle qui a le monopole de tous les problèmes d'énergie. En quelques mois, plusieurs centaines de cadres de la société Hydro-Québec assisteront à ces conférences. Les titres, par exemple, c'était « L'entreprise face au chaos », le rôle du gestionnaire en période d'instabilité critique. Ça, c'est le genre de titre de conférence qu'il y avait. Maintenant, ça, c'est enrobé d'un paquet d'autres affaires. Jouret puisait à toutes sortes de sources. Servait des mathématiques, de la physique, de l'anatomie, de la biologie, avec des éléments d'histoire, des éléments de... Alors, c'était à la fois fascinant et très hétéroclite. Cet enseignement hétéroclite mais fascinant permet rapidement à Jouret de recruter dans la société Hydro-Québec plusieurs dizaines de cadres de haut niveau. Mais malgré ses succès, la dérive de Jouret vers une vision apocalyptique s'affirme dans des propos de moins en moins cohérents. Alors que notre humanité est aux prises avec les affres d'une véritable agonie, puisque nous constatons partout la disparition accélérée de la vie, la disparition d'un accéléré des espèces, je vous rappelle. Il était d'un pessimisme inquiétant. Là, c'est, on ne va pas une conférence pour apprendre que la planète est foutue. On aime ça entendre des nouvelles un petit peu plus... On est prêt à entendre parler des problèmes, là, mais de là à dire que c'est fini et qu'il n'y a plus rien à faire, là, c'est pas très intéressant comme discours. La dérive paranoïaque de Jouret, son obsession maladive de se protéger d'obscures menaces, vont bientôt le projeter tout droit dans le collimateur de la police canadienne. C'est son fidèle bras droit Jean-Pierre Vinet qu'il charge de lui procurer des armes. Jean-Pierre Vinet est venu me voir et il m'a tout simplement demandé, il dit « Herman, j'aimerais ça, il dit, savoir comment tirer au pistolet. Il dit, est-ce que toi, tu en auras un que tu pourrais me passer? Ben, » j'ai dit oui, parce que j'étais un collectionneur d'armes, je faisais de la chasse, alors j'avais un pistolet. Alors, il dit, est-ce que tu pourrais me le prêter? J'ai dit oui. Alors, j'ai pris le pistolet chez nous. J'ai mis une boîte de cartouches avec le pistolet. Je suis rentré dans les bureaux d'Hydro-Québec. Je suis monté en haut, au 13e étage. Je l'ai donné à M. Vinet. 2-3 semaines après, il est revenu, puis il dit, j'ai essayé ton pistolet, mais il fait trop de bruit. Il dit, pour pas alerter les voisins, tu pourrais-tu me trouver 2-3 pistolets? Et là, c'était plus un, c'était 2-3. 2-3 pistolets avec des silencieux. Bon, encore stupide, comme un âne, j'ai accepté, sans poser de questions. Et là, j'ai commencé à faire mes recherches. Pour son malheur, les recherches de Herman Delorme débouchent sur un petit trafiquant d'armes qui se révélera être un agent double et s'empressera de dénoncer à la police. Aussitôt, Delorme est mis sur écoute téléphonique. Et de fil en aiguille, avec les conversations, c'est là, à un certain moment donné, qu'on a eu sur écoute Luc Jouret, Joe DiMambro. Et là, l'ordre du temps solaire a sorti. Je me rappelle du libellé du communiqué de la police. Il disait qu'ils avaient arrêté ces gens-là parce qu'ils cherchaient à se procurer une arme pour se protéger contre l'apocalypse prévue sous peu. C'était la compréhension que la police s'était faite de cette histoire-là. En dépit du fait que c'est un silencieux que ces gens-là voulaient acheter, puis ce qui aurait dû mettre la puce à l'oreille à bien des gens, ils s'en sont tirés très, très bien parce que Jouret a eu 1 000 $ à donner à la Croix-Rouge, absolution, alors ce qui lui permet de ne pas avoir de casier judiciaire et donc de continuer à voyager à sa guise, ainsi que Vinet et Delorme, mais ils n'ont pas eu grand-chose finalement comme conséquence. Les policiers n'ont pas fait leur travail. Ils ont traité ça comme une tentative d'achat d'armes sur le marché noir. Point à la ligne. Ils n'ont pas compris qu'il y avait un groupe derrière. Ils n'ont pas compris le discours du groupe. Est-ce que tu sais tirer au pistolet? Oui. C'est vrai? Oui, j'ai mon permis de port-d'armes. Ah bon? Est-ce que tu peux t'entraîner au tir? Mais vite. Vite? Oui. On n'a plus le temps de discuter maintenant. Il faut passer à l'action. Quand tu lis l'écoute électronique, tu t'aperçois qu'il y a à peu près tout le ferment de ce qui s'est passé l'année suivante. C'est-à-dire que
Il y a de longues, longues discussions entre Jouret, Vinet, Pauline Lemonde, l'ancienne la conjointe de Vinet, où on évoque la fin, le passage, le transit vers Sirius, la fin du cycle de la vie. L'OTS est en crise. Mon Dieu, quel cirque, ça devient terrible. On vit une fin de fou. Si tu savais ce qu'il faut jouer pour tenir la machine, mais tu n'as aucune idée. Enfin, heureusement, on arrive au bout. Quelle planète! Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a foutu de descendre sur cette merde? Cette boule de con. Le créateur, il a vraiment fait une erreur, là. C'était facilement décodable. Il fallait simplement être dans le monde sectaire, comprendre la dynamique. Ils ne le savaient pas, ils n'ont rien fait pour savoir. Et tout ce qu'ils voulaient savoir, c'est empêcher cet achat d'armes-là. C'est tout. Tout a concouru finalement à fermer le dossier au plus vite. J'ai senti qu'ils avaient dit « on les brûle au Québec, on va être tranquilles, nous autres. Ils s'arrangeront avec eux autres en Europe. » Effectivement, le soir même de sa condamnation pour trafic d'armes, Luc Jouret, démoralisé, quitte le Canada. Il n'y reviendra jamais. C'est pourtant à Morin Heights, dans les environs de Montréal, que va se nouer la tragédie de l'OTS. C'est là que réside depuis quelque temps un couple de fidèles de Dimambo, Tony Dutoit et sa femme Nikki. Ils viennent d'avoir un bébé, un petit garçon, qu'ils ont cru bon d'appeler Emmanuel. Emmanuel comme l'enfant cosmique. Un véritable blasphème pour Dimambo, qui déclare que le petit Dutoit est l'antéchrist et envoie, comme dans la tradition occultiste, deux chevaliers pour l'exterminer. Ces deux chevaliers sont Joël Héguer, l'homme des trucages et des basses besognes de Dimambo, et Dominique Bellaton, la propre mère de l'enfant cosmique. C'est elle qui attire les Dutoit dans un piège en les invitant à dîner. Le 30 septembre 1994, un incendie ravage le pavillon de Morin Heights. Dans les décombres, on retrouve les corps carbonisés des Dutoit qui ont été massacrés à coups de batte de baseball et à coups de poignard par Joël Héguer. Quant au petit Emmanuel, il est mort un pieu fiché dans le cœur, comme les vampires dans les croyances populaires. Aussitôt le massacre accompli, Joël Héguer, meurtrier des Dutoit, et sa complice Dominique Bellaton reprennent la nuit même l'avion vers Genève. Pendant ce temps, Luc Jouret et Joe Dimambro convoquent les adeptes de l'OTS pour deux réunions importantes, l'une à Chéry dans le canton de Fribourg, l'autre à Salvan dans le canton du Valais. Des réunions dont l'issue tragique au matin du 5 octobre 1994 va faire connaître au monde entier l'ordre du Temple solaire. On est rentré par la fenêtre et puis on a été sortir le seul propriétaire qu'il y avait. Il était sur son lit, donc on l'a trouvé immédiatement, non, ça c'est sûr. On l'a reconnu parce qu'on le connaissait. Quoi. Albert Giacobino, propriétaire officiel de la ferme de Chéry, assassiné à l'écart des autres dans une chambre au premier étage. Et puis après, on s'est rappelé que le volume était beaucoup plus grand que ça. Donc on s'est dit, il doit avoir encore une pièce. C'est là qu'on a touché les parois, puis regardé, on a tapé. Puis ça sonnait creux, puis on a poussé la porte. Et c'est là qu'on a vu, les gens étendus par terre avec un sac à poubelle. On s'est dit, c'est une secte. On ne savait pas s'ils avaient été gazés, tués ou autre chose. Quoi. Dans la crypte, les pompiers retrouvent 22 cadavres. Tous revêtus des capes rituels de l'ordre du Temple solaire. Tous le visage recouvert d'un sac poubelle et tous tués par balle. Presque simultanément, une autre tragédie enflammait le petit village de Salvan, dans le Valais, à l'autre bout de la Suisse. Le 5 octobre, à 2h58, nous avons reçu un appel qui nous informait qu'un chalet était en feu. Une patrouille de la police cantonale s'est rapidement dépêchée sur place et a constaté qu'il n'y avait pas qu'un seul chalet, mais trois chalets en flammes, après les flammes. Et donc ensuite, les pompiers sont intervenus et c'est à ce moment-là qu'on a fait cette macabre découverte, à savoir découvert 25 corps dans les deux chalets qui se situent ici à l'arrière. Parmi les victimes qui semblent avoir été droguées, empoisonnées, voire même parfois étouffées, on retrouve les corps carbonisés de Luc Jouret et de Joe Dimambro, les deux gourous de l'OTS.
Je me souviens effectivement qu'un corps gisait près d'une cheminée. Et puis ensuite, donc, il y avait également des corps qui se trouvaient dans les pièces à l'arrière. Deux personnes se trouvaient sur un lit, couchées sur un lit, donc dans un aspect de tranquillité. Alors deux très jeunes gens, sauf erreur, se trouvaient dans la chambre qui se trouve ici. Mais méconnaissables également, qui se tenaient la main avec... qui se tenaient vraiment la main. Donc. C'est vrai que ça ravive des souvenirs. Donc les pompiers, par exemple, ont été fortement choqués de cette intervention, la police aussi. Donc on a toujours l'impression, en tant que professionnel, de pouvoir gérer ces événements, mais dans le subconscient et puis maintenant. Donc c'est vrai que ça ravive des souvenirs d'intervention qui ne sont pas des plus intéressants. 48 cadavres en quelques heures, du jamais vu dans les paisibles alpages helvètes. De fait, le juge Piller semble assez vite un peu dépassé par les événements. Et malgré les moyens considérables mis à leur disposition, il s'avère rapidement que le juge et ses enquêteurs ont décidé de privilégier la thèse strictement sectaire du transit vers Sirius. Les autorités suisses souhaitaient accréditer l'idée d'un suicide collectif. Ça c'était clair. D'ailleurs, l'enquête suisse, on peut dire, a été bâclée. Moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi le juge d'instruction du canton de Fribourg a fait détruire par le feu, 48 heures après la découverte du sanctuaire de Chéri, toutes les pièces à conviction devant les caméras de télévision. Les grands miroirs qui tapissaient le local de la chapelle de la secte finissent à la casse. Les tapis rouges, encore imprégnés du sang de certaines des 23 victimes, ont été jetés dans une benne à ordures. Il a fait raser la place, effectivement. Oui. Le juge Piller, il s'est cru plus gros que l'enquête. Et lorsque nos policiers ont été envoyés en Suisse, nos policiers ont dit, écoutez, vous voyez, il y a telle pièce à conviction qui serait peut-être importante de récupérer, telle autre chose qu'on voit qui serait peut-être importante. Et c'est là que le juge Piller a dit qu'ils n'étaient pas chez eux et que s'ils rajoutaient un mot, ils les expulsaient du pays. Ils y retournaient chez eux. Bien évidemment, le juge Piller a vivement démenti avoir bâclé l'enquête et détruit par le feu des pièces à conviction. Pourtant, sollicité à plusieurs reprises, le juge Piller n'a pas souhaité s'exprimer devant les caméras. On a eu le souci d'éviter un pèlerinage, d'éviter de sacraliser Dimambro et Jouret. Et les choses essentielles ont quand même été très vite trouvées. La recette du poison dictée et dressée par Jouret a été très vite trouvée. Donc les pièces essentielles, à mon avis... ont été découvertes. Alors comment expliquer que Éric Lemasson, reporter à France 2, ait pu retrouver un an plus tard dans les décombres de Salvant des éléments dont le contenu était capital pour la compréhension de la tragédie? C'était encore l'hiver, c'est-à-dire qu'il y avait de la neige partout. Les chalets de Salvant étaient intacts. Et à l'intérieur, c'était absolument incroyable parce qu'il y avait encore tout, c'est-à-dire les murs calcinés, la vaisselle cassée. Ce qui était très surprenant, c'est qu'il y avait des objets manifestement qui auraient pu intéresser la justice et la police. C'est-à-dire qu'on trouvait par exemple des petites fioles avec écrit de médicaments avec écrit Luc, comme Luc Jouret dessus. Et le caméraman a vu une poubelle de cuisine avec des détritus à l'intérieur. Il prend la poubelle. Et je lui dis, mais quand même, on va quand même pas fouiller les poubelles. Il dit, bon, au point où on en est, allons-y. Et il descend comme ça, ce qu'il y avait, les détritus qu'il y avait dans la poubelle. Et à l'intérieur de cette poubelle, il y avait une enveloppe avec trois cassettes. Ces cassettes sont le reflet de la paranoïa de Dimambro, qui faisait apparemment écouter les conversations téléphoniques de la ferme de Chéri. Elles prouvent la détermination de certains adeptes a accepté le transit vers la mort. De toute façon, c'est prévu, on ira sur Jupiter. Ah voilà. Alors Vénus, pour finir, ça tombe à l'eau. Mais oui, mais puisque... Moi, j'ai l'impression qu'on va d'abord aller sur Vénus. Ouais, m'en fous. L'essentiel, c'est d'aller où on doit aller, c'est tout, quoi. Je pense qu'on ira d'abord sur Vénus, parce que d'ici que Jupiter soit prêt, ça va aller loin. Mais ces cassettes prouvent aussi que d'autres adeptes avaient bien l'intention de récupérer l'argent investi dans la secte. Tel Albert Giacobino, le propriétaire de la ferme de Chéri. Écoute Albert, il flambe un argent fou dans cette histoire. Je suis curieuse de voir
comment il va mener dans la suite de son affaire. Il y a une assemblée de bourgs entérinée, les comtes qui représentent la dette que ça a envers moi. Si j'accepte, il me signe une reconnaissance de dette. Si ce n'est pas versé, j'arrête tout. Albert Giacobino ne fut pas remboursé à l'issue de la réunion de Chéri. On le retrouva empoisonné et étouffé dans sa chambre à l'écart des autres. Ça me paraît tellement énorme que des cassettes une année après puissent être restées là, alors que je pense qu'il y a des dizaines ou des centaines de personnes. Comme par hasard, c'est un journaliste qui les trouve. Mais ce qui est incroyable, c'est que dans l'ordre du Temple solaire, tout est tellement irrationnel que personne m'a cru. Tout le monde a cru que soit on me les avait donnés, soit j'avais dit que je les avais trouvés là, soit etc., etc. Il y avait des enjeux aussi internes à la police et à la justice suisse d'une sorte de négligence. Ils n'avaient pas fait leur boulot, visiblement. Alors vous dites aujourd'hui, la police n'a pas fait son travail. Eh bien non, moi je peux vous affirmer que la police a fait son travail, parce qu'une enquête se fait tout de suite, immédiatement après le drame, et je vous l'ai prouvé aujourd'hui, toutes les perquisitions ont été faites, et tout ce qui était utile à l'enquête a été saisi. En bref, pour la justice suisse plutôt satisfaite d'elle-même, circuler, il n'y a décidément rien à voir autour du lac de Genève. Pourtant, au-delà des erreurs commises dans l'enquête criminelle, il est cruellement évident que les volets financiers de l'affaire ont été très discrètement refermés. En effet, la plupart des adeptes éliminés à Chéri exigeaient le remboursement de sommes importantes, comme en témoignent les réclamations et les menaces écrites de Claude de Dot, grand maître français, et de Robert Falardeau, grand maître canadien, venu spécialement du Québec pour contester les dépenses de Dimambro et qui fut remboursé de 3 balles dans la nuque. Incompétence, on ne voulait pas aller trop loin, on ne voulait pas voir telle chose. On se questionne encore sur l'attitude de certains officiels, dans ce, du procureur suisse, et les policiers, je veux dire, qui semblent pas faire leur travail ou mal faire leur travail. Et je me dis que peut-être que si on avait bien fait le travail au départ, que peut-être le Vercors aurait pu être évité. Le fait est que ni la police française ni la police suisse n'ont exercé la moindre surveillance sur les adeptes pourtant parfaitement identifiés de l'OTS. Aucune mesure de protection n'a donc été prise pour prévenir une tragédie annoncée. En tout cas, lorsque M. Rosan, agriculteur à Saint-Pierre-de-Chérène, dans le Vercors, partit travailler au matin du 22 décembre 1995, soit plus d'un an après la mort des gourous de l'OTS, il était bien loin de se douter de ce qu'il attendait au détour de la forêt. C'est moi qui ai découvert les véhicules le premier, quoi. Puis c'est moi qui l'ai signalé aux gendarmes le vendredi soir, là, quand je voyais qu'ils bougeaient toujours pas ces véhicules, donc j'étais allé voir s'ils étaient fermés ou pas, quoi. J'avais essayé d'ouvrir les portières, puis j'avais vu qu'ils étaient fermés, j'avais vu qu'il y avait des sièges d'enfants, tout ça. J'ai dit, mais parti en randonnée depuis 8 jours, moi c'est ce qui m'a... Puis j'ai dit, bon, ben quand ils m'ont, je les ai appelés, ils sont venus, c'est là qu'ils m'ont dit, bon, il y a certainement un problème, quoi. D'après les immatriculations des voitures, les gendarmes les identifient en quelques minutes comme les véhicules de membres de l'OTS, signalés disparus depuis plusieurs jours. Des opérations de recherche sont aussitôt déclenchées et dans la nuit, on découvre dans une petite clairière bizarrement surnommée le Trou d'Enfer les cadavres carbonisés de 16 personnes, toutes membres de l'OTS. Les corps sont donc restés 8 jours entre le moment où on a commencé à voir ces voitures et le moment où on est venu sur le site, quoi. Et bon, ben, c'était un spectacle, bien entendu, qui était une horreur, quoi. Une horreur d'autant plus bouleversante que parmi les victimes, on retrouve 3 petits-enfants âgés de 2 à 6 ans. Comme les autres adeptes, ils ont été drogués, puis achevés de plusieurs balles dans la tête. Mais auparavant, ils avaient été frappés sauvagement, sans doute parce qu'ils avaient tenté de résister ou de fuir. D'après les enquêteurs, les 2 exécuteurs responsables du massacre avaient ensuite incendié les corps avant de se donner la mort. Mais ce qui était émouvant, c'est que le soir, quand on a vu passer tous ces cercueils... Oh, ça m'a... Oh là, alors je crois que moi, c'est l'image qui m'est toujours restée en tête. Cette image, elle m'est restée. Ce défilé de cercueils. 16 corps...
16 corbillards qui se suivaient. Ouais, moi, ah, moi, ça m'avait marqué. Parmi les corps ramenés du trou d'enfer jusqu'à la morgue de Grenoble, une surprise attend les enquêteurs. Et elle est de taille. Deux des cadavres sont ceux de policiers des renseignements généraux. Les inspecteurs Lardanchet et Rostand. Deux personnages clés de la tragédie du Vercors. Deux personnages qui étaient déjà apparus dans le paysage de l'affaire lors des massacres suisses. Jean-Pierre Lardanchet et Patrick Rostand ont dit, quand ils ont été interpellés après les premiers massacres à Chéry et Salvan en 1994, ils ont dit qu'ils appartenaient à l'OTS. Sauf que ce qui est très étrange, c'est que ces deux policiers, suite à cette reconnaissance d'appartenir à une secte, n'ont ni été inquiétés, ni menacés, ni sanctionnés, ni mutés, ni... On leur a rendu leurs armes. L'un a retrouvé ses fonctions très vite à Paris, à la police judiciaire. L'autre à Annemasse, à un poste frontière clé. Tout ça me paraît bizarre. Plus bizarre encore, Behram Kessely, dit Mehmet, ami et chauffeur occasionnel de Lardanchet, a témoigné l'avoir conduit à plusieurs reprises au ministère de l'Intérieur. Mehmet prétend même avoir eu l'habitude de déposer Lardanchet à l'entrée des artistes du ministère, au coin de la rue des Saussets. Sollicité à plusieurs reprises, Mehmet n'a pas souhaité s'exprimer devant les caméras. Et pourtant, le juge d'instruction ne demandera pas au ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles Pasqua, de quelconque explication sur la présence de ces deux policiers morts dans le Vercors. C'est hallucinant, on est sur une autre planète là. Pour moi, Lardanchet et Rostand étaient en service commandé, oui. Je ne vois que cette seule raison, c'est qu'il y avait une application de certains services et que Rostand et Lardanchet avaient une mission au sein de l'Ordre du Temple solaire. Mais si, au trou d'enfer, Lardanchet était réellement en service commandé, comment expliquer qu'il ait lui-même achevé, comme le prouvent les rapports balistiques, avec son arme de service, 14 des 16 victimes? Et a fortiori, comment expliquer qu'il se soit suicidé d'une balle de 357 magnum en tombant dans le brasier qu'il avait lui-même allumé? Peut-être que Lardanchet, piégé dans le Vercors en France, est mort dans le cadre d'une mission d'infiltration. Moi, ça m'aurait intéressé en tant que juge de savoir ça. Quelle que soit l'issue de cette investigation, il l'est ou il ne l'est pas, peu importe, mais qu'on nous réponde. Jody Mambrot lui-même pensait que Lardanchet était une taupe, hein, pour parler un peu vulgairement, ou plutôt dans le jargon du milieu, on va dire. En effet, dans les décombres encore fumants du chalet de Salvan, les enquêteurs avaient retrouvé l'ordinateur de Di Mambro, et dans les mémoires de cet ordinateur s'expriment clairement les soupçons du gourou de l'OTS. Lardanchet, taupe, envoyé pour prendre des informations et nous piéger. Alors, lorsque Lardanchet, l'homme qui en savait trop, disparaît dans le Vercors, les gourous de l'OTS sont déjà morts depuis plus d'un an. Donc, à moins d'admettre que Di Mambro n'ait envoyé depuis l'au-delà des justiciers pour l'abattre, il semble difficile de ne pas souscrire à la thèse de l'intervention extérieure. Les constatations de l'expert en combustion Gilbert Lavoué sont à cet égard impressionnantes. Le corps de M. Lardanchet, je crois, est vraiment saisi à telle enseigne qu'on n'a pas pu prélever de liquide physiologique dans son corps. Et pourquoi cette limitation dans l'espace qui permet à cette chaussure d'avoir des lacets en fibre synthétique absolument pas abîmés par la chaleur, c'est un indice, si vous voulez, qui me choque, qui présente pour moi une anomalie thermique. Les enquêteurs avaient cru pouvoir expliquer la combustion des corps par le seul usage de bois et d'essence. Techniquement impossible, affirme Gilbert Lavoué à la suite de sa contre-expertise. Par contre, un feu directionnel type lance-flamme permet d'expliquer à la fois, je dirais, le degré de saisissement, si vous voulez, des chairs et l'état de la chaussure de M. Lardanchet. La découverte d'une quantité inhabituelle de phosphore sur le site du trou d'enfer confirmerait pour Gilbert Lavoué
l'utilisation probable d'un lance-flamme de type militaire. Et c'est ça qui nous est pénible dans cette affaire, c'est qu'on a choisi une thèse qui n'était pas soutenable, c'est-à-dire du suicide collectif ou d'une crime en vase clos, alors que tout allait dans le sens contraire, d'une intervention extérieure. L'intervention extérieure, une théorie fragile, mais qui a l'avantage pour les familles des victimes de répondre à la plupart des incohérences et des insuffisances de l'enquête. Très curieusement, il n'y a pas de trace d'empreinte digitale sur les voitures, ni sur les coffres, ni sur les portières. La police scientifique n'a retrouvé aucune empreinte digitale. C'est quand même curieux. Et je constate quoi ? Que sur les 4 véhicules, on n'en retrouve que 2 clés de contact, qui pourraient être susceptibles d'être les clés de contact de 2 véhicules. Mais sur les 2 autres, il n'y en a pas. Toujours est-il que les voitures ont été fermées à clé, que les clés, on ne les a pas retrouvées, ni sur les adeptes, ni dans leurs effets, ni non plus aux alentours des véhicules. Ça, c'est encore un mystère. À partir du moment où des indices disparaissent, et c'est pas la peine d'être Columbo pour le savoir, ça veut dire que quelqu'un les a fait disparaître. À partir du moment où quelqu'un fait disparaître des indices, cela veut dire qu'il a participé à l'acte criminel et qu'il veut effacer les traces qui pourraient remonter jusqu'à lui. Donc on a un élément criminalistique objectif. Quelqu'un, peut-être plusieurs personnes, a ou ont cherché à effacer les traces de leur passage. Donc, il y a une intervention extérieure et une intervention extérieure maligne. Et une intervention extérieure qui survit. Malheureusement, ni vous ni moi ne pouvons faire le travail que les enquêteurs n'ont pas fait. Prisonniers de leur thèse du suicide collectif, les enquêteurs ne semblent même pas avoir envisagé que deux des adeptes, Marie-France Lardanchet, femme du policier exécuteur, et Outé Vérona, aient pu essayer de protéger leurs enfants de la mort. Les deux femmes étaient toutes les deux, d'abord cassées les figures. La mâchoire. Ça fait un signe clair et net. Ils n'ont pas envie de mourir. Je connais ma fille, elle ne voulait pas se suicider, pas du tout. Outé, elle aimait beaucoup sa fille et je vous jure du fond du cœur qu'elle n'aurait jamais laissé quelqu'un faire du mal à sa fille. Pour moi, ça, ce n'est pas un suicide, ça, c'est un meurtre. Si Mme Pinheiro est aujourd'hui aussi formelle, c'est que dans les jours qui ont suivi la disparition de Outé Vérona, elle a été le témoin direct de comportements policiers pour le moins insolites. Donc on est le 19 décembre. On ne sait pas encore que les gens sont morts dans le Vercors. On va découvrir les corps le 23. Hein. J'entends du bruit dans l'appartement à Outé. Et j'ai dit à mon mari, c'est pas normal. Madame Pinheiro est un petit peu inquiète parce qu'elle sait que Outé et sa fille Tania sont partis, mais elle ne sait pas où. Et elle va voir ce qui se passe. Effectivement, il y a soi-disant un policier. J'ai dit, écoutez, la propriétaire, elle est absente. Comment ça se fait que vous êtes là? Alors, il m'a dit, bon, on est de la police. Il est allé chercher la carte. J'ai vu une carte de police. Il lui demande de s'en aller. Elle a peur, elle s'en va, elle se ferme chez elle. Mais moi, bon, un peu curieuse, je suis allée voir mon petit Judas, comme c'était la porte juste en face. Et après, j'ai vu, effectivement, ils ont emmené 4 à 5 sacs de poubelles noires avec des affaires. Ils ont fermé la porte, ils sont partis. Bien sûr, on ne sait pas qui étaient ces visiteurs. Et la police suisse, effectivement, dément être venue chez Outé Vérona. Mais c'est un mystère en plus qui s'ajoute à d'autres mystères. Un mystère aussi inquiétant que les menaces de mort reçues par Madame Pinheiro au soir de la découverte du massacre du Vercors. Il y a le téléphone qui a sonné et moi j'ai eu tout de suite j'ai mis le haut-parleur, comme ça tout le monde a entendu la conversation. Et simplement on m'a menacé, elle m'a dit tu feras partie du troisième voyage puisque tu as trop parlé, tu as vu des choses que tu ne devais pas voir. Et en aucun cas, c'était quelqu'un dont la voix vous rappelait quelque chose. Tout à fait. Ça vous rappelait quelque chose? La voix, oui. Et ça vous rappelait la voix de qui, alors? Moi, c'était la voix de M. Tabachnik. Ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. C'est pas Michel Tabachnik qui est en cause.
C'est ce que je représente, c'est l'emblème que je suis pour ces gens. Donc, c'est pour ça que je ne les attaque pas, parce que je comprends qu'on a besoin d'un exutoire. Cela dit, je vais leur dire, faites comme moi, excusez-moi, allez, faites-vous soigner. Moi, je me suis quand même, j'ai été voir des gens, parce qu'on ne s'en sort pas tout seul dans ces situations. Faites-vous soigner, allez voir un psychanalyste, on sait, il va vous expliquer que... Vous en voulez à Michel Tabachnik, mais il a clamé partout son innocence. Ses textes, lisez-les, vous verrez, c'est rien. Il était blanchi par les deux justiciers françaises. Arrêtez de l'emmerder. Mais on n'arrête pas de m'emmerder. Un autre qu'on n'arrête pas d'emmerder dans cette histoire, c'est bien Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, mais aussi ancien patron du SAC. Il y a en effet cette lettre très bizarre, reçue par Pasqua au lendemain du massacre de Chéry. Une lettre adressée par Dimambro au très cher Charlie. Nous vous accusons d'avoir délibérément voulu détruire notre ordre et d'en avoir fait une raison d'État. Nous vous accusons, Monsieur Pasqua, d'avoir prémédité un assassinat collectif. Une lettre lourde de reproches, au ton singulièrement amer et qui semble bien attester des relations personnelles entre les deux hommes. Sollicité, à plusieurs reprises, Charles Pasqua n'a pas non plus souhaité s'exprimer devant les caméras. Dans ses écrits de Jody Mambro qui s'adresse à ce très cher Charlie, on ne sait pas quelles sont les relations. Bon, on sait qu'ils se connaissent, on sait que Jody Mambro a fréquenté les réseaux politiques qui sont les mêmes que ceux qu'a fréquenté Charles Pasqua. L'ombre de ces réseaux, et plus particulièrement celle du SAC, on la retrouve dans une autre affaire d'État, l'affaire Yann Pia, dont les détours tragiques croisent bien étrangement les dérives de l'OTS. C'est dans le milieu de la France, très précisément dans le site enchanteur de l'île du Levant, qu'Albert Giacobino, l'un des mécènes de l'OTS, possédait une maison et avait appris que l'armée envisageait de vendre plusieurs hectares de terrain militaire. Une opération qui promettait d'être juteuse, une bien curieuse histoire que raconte le militant écologiste Michel Pivert, aujourd'hui réfugié en Ardèche. Très impliqué dans la défense du littoral, Pivert avait rédigé pour les élus locaux un projet d'aménagement de l'île du Levant. Monsieur Avran, qui était directeur du tourisme à la mairie de Hyères, avec pour patron élu monsieur Corticciato, m'ont présenté le travail qu'ils avaient tiré, soi-disant, de mon étude. Et ils m'ont présenté cette plaquette, l'homme solaire. Alors, je l'ai évidemment feuilletée. En fait, ce stage tournait autour d'une idéologie un peu déjantée, un peu éthérée. Ça sens, ça secte. Hein. Dans la foulée, Michel Pivert se rend compte que derrière le projet mystico-ésotérique de l'homme solaire, il y a aussi et surtout un énorme projet d'investissement immobilier en jonction avec la vente des terrains militaires. Pivert tente alors d'alerter la classe politique régionale. Mais seul Yann Pia, personnalité atypique dans le marigot politique de la Côte d'Azur, ancienne députée Front National mais écologiste sincère, accepte d'intervenir pour s'opposer à la vente. Quelques semaines plus tard, Yann Pia est assassiné. Aujourd'hui, bien que l'affaire soit retombée dans les oubliettes, il semble bien qu'Yann Pia ait eu son compte réglé, pas par des petits truands de bas étage, mais par des gens beaucoup plus importants, et pour sans doute la faire taire sur ce qu'elle savait. Effectivement, avant l'arrestation des pâles petits voyous décrétés meurtriers officiels de Yann Pia, deux truands notoires membres du SAC avaient été un moment soupçonnés du crime, les frères Saint-Sné. Bizarrement, on les retrouvait quelques semaines plus tard, asphyxiés au gaz d'échappement dans leur garage. Selon les gendarmes, il s'agirait d'un double suicide, mais certains éléments laissent planer le doute, notamment un dossier de 25 pages dans lequel Fernand Saint-Sné affirmait, je cite, « n'avoir aucune envie ni besoin de se suicider ». Saint-Sné disait toujours que s'il lui arrivait quelque chose, entre guillemets, on le suiciderait. Ne me demandez pas ce qu'il entendait par « on », je l'ignore et je ne veux pas le savoir, mais il disait toujours « on me suicidera ». Là encore, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Le résultat, c'est que aujourd'hui, quand vous me parlez de l'affaire Saint-Sené, je vous dis « eh bien la justice s'est prononcée, c'était un suicide ». Moi, j'ai envie de dire le suicide de qui ?
des frères Saint-Senet ou de la justice? Parce qu'à la longue, le peuple français va quand même se poser des questions. Bon, voilà. Moi, j'ai jamais cru au suicide des frères Saint-Senet. Personne? D'accord. La justice y croit. Plus bizarrement encore, on a retrouvé dans le coffre de la voiture des frères Saint-Senet deux capes de l'OTS et des lots entiers de brochures de l'Homme solaire. Des brochures que Michel Pivert ne s'attendait pas à revoir à la télévision. J'ai ça avec mon amertume, et jusqu'au jour où, ouvrant la télévision, je vois ce qui s'est passé en Suisse dans l'affaire du Temple solaire, et je vois les pompiers suisses sortir des caisses contenant cette plaquette, et même un deuxième panier avec ceci, qui était une cassette VHS. Viens découvrir l'histoire de l'Homme solaire. Toi qui viens d'un monde où la vie n'est pas, agressée par le bruit sous un ciel bas, tu ne sais pas. Au verso, on voit ici apparaître production, direction du tourisme de la Villière, les Palmiers. Donc je me paye le culot de retourner à la direction du tourisme de hier pour en savoir plus. Et on me dit, ah, monsieur Avran, non, il n'y a plus de monsieur Avran ici. Ah bon? Et où est-il? On ne sait pas. Le directeur du tourisme de hier, quand même, qui d'un seul coup s'évapore. Ça m'a paru bizarre. Et je n'ai jamais pu savoir où il était passé. Donc je demande à voir son patron, l'élu Corticciato. Plus de Corticciato non plus. Qui a disparu du conseil municipal de hier à ce moment-là. Alors je ne sais pas ce qu'il est devenu, ce monsieur. Hein. Je ne m'en suis pas plus inquiété. Ça veut dire, Lévis, ça veut dire qu'il y a un lien, hein, que je vous dise. Hein. C'est bon, il y a un lien. Il y a un lien, mais comme il n'y a pas d'affaire Saint-Senet, comme il y a un suicide, comme il n'y a pas d'assassinat. Il y a effectivement des jalons, des chaînons. Entre cette histoire du Temple solaire, Yann Pia, l'assassinat des frères Saint-Senet, etc. Et tout ça tourne autour d'un chaudron de sorcières, hein, sur la Côte d'Azur, qui était lié aux magouilles politico-affairistes immobilières qui ont défrayé la chronique à l'époque. Hein. L'immobilier. Déjà singulièrement présent dans les étranges magouilles de Dimambro au Canada. On a donc découvert un certain nombre de choses dans les transactions immobilières. C'est-à-dire que les immeubles qui appartenaient aux membres de l'OTS changeaient de main très régulièrement, plusieurs fois en l'espace de 6 mois, d'un membre à l'autre de la secte avec des prix différents, des fois des prix plus hauts, des fois des prix plus bas. Si lui, Joe Dimambro, achetait la maison, pour vous donner un exemple, qui coûtait 50 000 $ la revendait à un membre à 75 000 et puis c'était revendu à un autre membre 100 000 puis à un moment donné, il la revendait à un particulier qui ne faisait pas partie de l'ordre du Temple solaire. Lui, il pouvait payer la maison peut-être de l'ordre de 55 000. C'était manifestement ce qui apparaissait comme des techniques évidentes de blanchiment d'argent. C'est une façon très connue et très facile de faire du blanchiment d'argent pour les transactions immobilières, des pertes, des gains non déclarés ou déclarés ou reportés sur une autre personne, des hypothèques qui changent de main. Enfin bref, on s'est rendu compte que c'était très utilisé. Quelque part, l'OTS est une sorte de grande lessiveuse pour blanchir de l'argent. Alors, blanchiment d'argent, pour faire quoi? Blanchir quoi? Bonsoir. Encore cette terrible affaire du Temple solaire. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on se rend compte que c'était beaucoup plus qu'une secte. Radio-Canada a découvert qu'il s'agissait entre autres d'une couverture pour un réseau de trafic d'armes et de blanchiment d'argent. Les armes étaient destinées à un homme de paille, par exemple à un général d'un pays du tiers-monde qui servait de caution morale aux trafiquants. Après quelques tours de passe-passe bureaucratique, elle se retrouvait ensuite sur le marché noir. Cela dit, la Suisse croit que le magot amassé par Joseph Dimambro et l'ordre du Temple solaire se trouverait en Australie. La brigade financière a demandé à une banque de Sydney de geler deux comptes qui contiendraient jusqu'à 186 millions en dollars. Effectivement, des mouvements d'argent importants vers l'Australie
ont pu être identifiés sur les comptes de Dimambro, en particulier un chèque de 93 209 000 dollars. 93 millions de dollars. Quand on a annoncé cette somme, on sait qui, c'est les autorités, c'est officiel. Sauf que 24 heures ou 48 heures après, Interpol dit, excusez-nous, on s'est trompé, 93, c'est l'année de demande, etc. C'est, le chiffre est faux. Si ces virements de Dimambro vers l'Australie n'ont pas été exploités, c'est d'abord à cause de l'évidente mauvaise volonté des autorités australiennes. Mais ni l'enquête française, ni l'enquête canadienne, et encore moins l'enquête suisse, n'ont montré beaucoup de pugnacité dans leurs investigations financières. Dès l'instant, on a une organisation criminelle qui fait du trafic d'argent notamment, de l'opération de blanchiment d'argent. Eh bien, on constate que dans les trois massacres Canada, Suisse et Français, eh bien, les dix comptables de l'ordre du Temple solaire ont disparu. S'il y a eu crime, assassinat, c'est très certainement pour, orienter l'opinion publique, la justice, les médias, la police, vers une issue purement sectaire, afin d'éviter à ce qu'on s'intéresse à justement des magouilles financières. Des magouilles financières auxquelles se refuse à croire le jeune juge Luc Fontaine. C'est un peu par hasard qu'il a hérité de cette affaire hors norme. Et pour mener l'instruction depuis le palais de justice de Grenoble, le juge Fontaine est seul, désespérément seul, face à la complexité du dossier. Je crois qu'il faut bien parler de crime, en tout cas pour l'immense majorité des victimes du Vercors. Les faits sont complexes parce qu'on n'a pas de témoins directs. Les circonstances même des crimes sont complexes. L'enquête est extrêmement longue à ce sujet. Les témoignages recueillis ont été longs. Les expertises ont été contestées, je le sais. Le juge Fontaine, sûrement à un moment donné, souffre d'une solitude dans son instruction et dans son enquête parce que, en effet, il est seul. Peut-être en même temps, et ça sera le paradoxe du juge Fontaine, le paradoxe de vouloir rester seul parce que c'est peut-être aussi l'affaire de sa vie. Donc ça, c'est un paradoxe, mais à la limite, c'est humain. Mais il est tout seul à instruire. Il a un enquêteur, parce qu'on dit 80 enquêteurs. Vous rigolez, 80 enquêteurs. Une fois qu'on a récupéré les corps dans le Vercors, il n'y a plus 80 enquêteurs. Il y a Hufnagel, point la ligne. Le commandant de police Hufnagel, enquêteur et cornac du juge Fontaine. Un flic expérimenté, mais une personnalité singulièrement contestée. Bien que retraité de la police, le commandant Hufnagel, lui non plus, n'a pas souhaité s'exprimer devant les caméras. Monsieur Hufnagel a participé à cette propagande vers les familles des victimes qui, très clairement et implicitement, voulaient faire passer le message « Écoutez, arrêtez vos conneries, on a affaire à un suicide collectif et pas à autre chose ». Le mardi 15 avril 1997, j'étais à mon bureau, j'avais quelqu'un dans mon bureau, et le téléphone sonne, je décroche, Monsieur Hufnagel au téléphone, qui me dit « Vous avez déposé plainte avec constitution de partie civile, donc je dois vous entendre ». Et je lui ai dit que je souhaite être reçu par le juge Fontaine lui-même, que je m'étais renseigné, et que si c'était lui qui m'entendait, il pouvait y avoir vice de forme. Donc Monsieur Hufnagel s'est mis en colère. Voilà ce qu'il m'a dit. On sait bien maintenant que votre frère n'a pas été assassiné, mais qu'il est allé sciemment vers la mort. Il me conseillait fortement d'abandonner ma plainte et ma constitution de partie civile. Et Monsieur Hufnagel a fait la même chose avec mon père. Moi, c'est vrai que ça me choque énormément. Qu'un policier vous dise de retirer votre plainte, on a quand même assassiné trois personnes de ma famille, je vais quand même pas retirer ma plainte. C'est une question de morale pour moi. J'ai un devoir envers les miens, quand même. C'est inadmissible, des choses pareilles. Alors évidemment, s'il tenait ce même discours à tous les gens qui ont perdu des membres de leur famille, le procès était vite vu. Hein. En décourageant les familles des victimes de porter plainte pour assassinat, le commandant Hufnagel influençait clairement le juge Fontaine
pour qu'il s'aligne sur la thèse officielle du suicide collectif. Et c'est dans une atmosphère délétère que s'ouvre à Grenoble le 17 avril 2001 un procès qui n'est plus celui d'OTS, mais celui de Michel Tabachnik, simplement poursuivi en correctionnel pour association de malfaiteurs. Le drame de cette histoire, c'est que tout le monde fantasme. Est-ce que c'est pas Michel Tabachnik qui a commandité les massacres du Vercors ? Non, mais ça c'est dit ! Mais est-ce que vous imaginez où on va, là ? Moi, je suis un musicien, je suis chef d'orchestre, etc. Je suis sur mon île, là, sur mon podium. Je vais avoir commandité des massacres. Non, non. Puis la justice, elle n'a rien vu, parce que la justice, c'est tous des enfants. Ils ne comprennent rien à rien. Dès que Tabachnik est tellement formidable qu'il y a patient qui l'écoute. Non, mais on va où ? Effectivement, loin d'avoir les vertus pédagogiques souhaitées par les plus hautes instances de l'État, le procès de Grenoble tourna vite à la confusion générale. J'ai le sentiment qu'on a fait un survol judiciaire de manière à boucler un dossier qui la boucle. Passe-muscade, la chose est dite, on a condamné quelqu'un ou on n'a pas condamné quelqu'un, on a évacué l'affaire. Passé muscade, Tabachnik est finalement relaxé. Le procès se termine dans une confusion totale, sans que personne ne soit réellement satisfait, à l'exception du chef d'orchestre et de ses avocats. Monsieur Tabachnik a servi de bouc émissaire d'une affaire très complexe, et c'est l'honneur des magistrats d'avoir estimé qu'il n'y avait pas d'infraction pénale. Il ne faut pas s'étonner que Monsieur Tabachnik soit relaxé aujourd'hui. Il n'a en effet rien à voir quand vous vous placez dans le procès avec les circonstances, les vrais faits de la mort des nôtres. Ils ne se sont pas suicidés, on les a tués. Et aujourd'hui, les responsables courent toujours, ils sont dehors. Après le bruit et la fureur, l'immense bibliothèque où s'est tenu le procès de Grenoble a aujourd'hui retrouvé son calme et sa sérénité. Mais les mystères de l'OTS resteront sans doute à jamais dissimulés derrière les cadenas soigneusement verrouillés d'une justice finalement aussi aveugle, sourde et muette que les trois singes de la tradition chinoise. Pourtant, on a bien l'impression que l'affaire de l'OTS se refuse à mourir, sans doute grâce à la pugnacité des familles des victimes et de leurs avocats. C'est ainsi qu'en 2003, Maître Alain Leclerc lance un nouveau pavé dans la mare. Il vient de prendre connaissance d'une lettre très étrange, émanant d'un cabinet d'avocats de Vannes et publiée dans un journal belge. Cette lettre fait très clairement référence à des pots de vin versés à différents partis et à l'OTS. Une lettre datée du 21 avril 1997. Dans ce courrier, il y a en fait un avocat qui s'adresse à une banque française et qui instruit la banque française à servir des montants à plusieurs partis politiques de droite, on va dire. Soyons précis, une somme de 3 millions de francs devait être versée à et une somme de 1 million au... Sous réserve de l'authenticité de ce courrier, son contenu est en tout cas explosif. Il y est clairement expliqué que Raymond Marcellin, ancien ministre de l'Intérieur du général de Gaulle, aurait renoncé à se présenter aux législatives de 97 contre un dédommagement de 5 millions de francs. Effectivement, Raymond Marcellin, donné gagnant à ces élections, a déclaré forfait à quelques jours du scrutin. Revirement de dernière heure, qui serait lié à l'intervention de Raymond Bernard, ancien grand maître de la morgue, et selon certains, inspirateur clé de l'OTS, qui aurait lui-même, ce qu'il nie, touché 5 millions de francs, tandis que la morgue, l'OTS et le se partageaient 3 millions. À cette date, tous les dirigeants identifiés de l'OTS avaient disparu depuis plus d'un an, à l'exception de Michel Tabachnik. Alors, qui aurait effectivement profité de cet argent ? On peut toujours espérer que l'instruction parallèle menée à Vannes fournira un jour la clé de cette énigme. Une énigme parmi beaucoup d'autres, dans une affaire où l'accumulation des incompétences, des incohérences et des manipulations empêchera encore pour longtemps les familles des victimes de pouvoir faire un deuil décent de leurs proches. Tous ceux qui ont été mêlés à cette affaire en sont restés marqués à jamais. Parents des victimes, témoins, journalistes, avocats, policiers,
magistrats, tous restent hantés par cette tragédie non résolue. 74 victimes, pas de coupables. Et quelque part, dans une clairière perdue dans les forêts du Vercors, une simple plaque de bois témoigne pour l'éternité des abysses terrifiantes où peut parfois mener la folie des hommes.